Bonjour, je suis le docteur Prouet. Je suis médecin généraliste à Canteleu, dans la banlieue rennaise, au pied des tours. Et je voulais vous parler un petit peu de ce qui se passe en ces temps de Covid-19 dans une banlieue populaire, en Normandie, où le Covid-19 nous a pas submergés, pas encore, j'espère. Peut-être qu'avec le confinement, on aura moins de vagues. Enfin, en tous les cas, c'est ce qu'on espère. Mais je vais d'abord enlever ce masque FFP2, parce que vous avez vu que c'est difficile de parler. Ce masque qui nous a été offert par un patient hier, super, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Alors aujourd'hui, ici, mais je crois aussi dans l'Est de la France, les cabinets médicaux sont assez vides, pour de bonnes et de mauvaises raisons. De bonnes parce qu'il y a des gens qui nous téléphonent, mais aussi de mauvaises parce qu'il y a des gens qui ont peur de nous déranger, qui ont peur de se faire contaminer. Et on voudrait leur dire que, au ces temps de Covid-19, les infarctus continuent, les accidents vasculaires cérébraux continuent, on le sait bien, et que vous nous dérangez pas. On prend en charge l'ensemble des soins de la population et on essaie de prendre le maximum de précautions. Ceci dit, par exemple, il y a la moitié d'accidents vasculaires cérébraux en moins. C'est pas parce qu'il y a moins d'AVC, tout simplement parce que les gens ne viennent pas nous voir. Pareil pour les infarctus. Et ça, évidemment, c'est un problème de ne pas se faire soigner, de laisser filer les symptômes. Vous ne nous dérangez pas, allez voir vos médecins généralistes. Alors, ici comme ailleurs, on manque de tests, on manque de masques. Encore ce matin, j'ai vu une jeune fille qui toussait depuis plusieurs semaines. Pas d'autres signes. Alors, très probablement une allergie, mais en fait, je n'avais pas le moyen de savoir. Voilà exactement la situation où il aurait fallu tester, proposer un masque rapidement, parce que ben, elle travaille dans la logistique, c'est important qu'elle soit à son poste, mais je ne sais pas si en fait je ne l'ai pas, elle ne va pas continuer à contaminer ses collègues, même si j'ai rappelé les distances de sécurité. Et puis il y a ces situations où on voit quelqu'un arriver, elle me dit, mon mari tousse, ben, amenez-le, on l'amène, on se dit, c'est probablement un Covid-19. Et puis quelques jours après, on apprend que non seulement le mari est malade, mais elle aussi est malade et aujourd'hui, elle est dans le service de réanimation. Voilà où c'est ce patient et ami, elle tousse, quelques jours après, lui, il tousse. On leur avait dit qu'ils avaient probablement le Covid-19, elle d'abord, et qu'on n'avait pas vraiment de moyens, pas de masque à lui proposer. En fait, des patients qui sont pas bien suivis parce qu'on n'a pas de test, on n'a pas les moyens de savoir exactement ce qu'il en est. Alors je dis, les patients ne se presse pas dans le cabinet qu'on a complètement réorganisé avec, on a plusieurs salles d'attente et on a tout espacé, on a des mesures d'hygiène, on fait très attention, mais il nous reste du temps. Alors ce temps, ben, moi, je le passe dans des coups de fil auprès de patients suspectés de Covid-19 pour les surveiller, pour les faire compter, pour voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à quand ils sont obligés de reprendre la respiration, ce qui est un moyen de le savoir. Et puis j'ai les temps aussi de jeter un œil sur la société, non pas la santé de mes patients au niveau individuel, mais au niveau collectif, de rédiger un certificat médical pour un jeune qui est en prison, en m'appuyant sur les recommandations de l'OMS sur la prison, les distances de sécurité, les masques, les gels hydroalcooliques, en disant que si ça peut pas être respecté, c'est évidemment le cas dans les prisons françaises, eh bien ça met sa vie en danger en espérant que son avocat, grâce à ça, pourra l'élargir, pourra le faire sortir. Un œil sur la résidence de personnes âgées où les infirmières m'ont alerté l'après-midi, il n'y avait plus personne et des résidentes qui ont parfois 100 ans hein, en résidence de personnes âgées, déambulent, chutent, personne pour les relever, savoir où est-ce qu'elles habitent et tout ça. Donc je suis intervenu auprès de la mairie pour qu'il y ait aussi du personnel l'après-midi. Alors quand je dis du personnel, c'est des volontaires, c'est des personnes fragiles qui sont mis de côté pour ne pas être contaminés et contaminants. J'ai contacté aussi les syndicats de la mairie pour voir ça avec eux. J'ai aussi essayé d'intervenir pour que le grand magasin à côté, où la vie continuait comme avant, où il y avait des caissières qui n'étaient pas masquées, où les gens se croisaient dans les sas, pour intervenir, pour que le maire intervienne et mette des barrières pour qu'il y ait au moins un sens de sécurité et que tout le monde soit masqué. C'est aussi la résidence, l'EHPAD, l'établissement pour personnes âgées dépendantes, où il y a encore 10-15 jours, j'étais en contact avec les infirmières en leur disant, alors j'espère que tout le monde porte des masques. Alors, on nous disait, c'est contradictoire, une fois, un jour, on nous dit qu'il faut porter le masque, le lendemain, qu'on ne doit pas le porter, mais que de toute façon, quelles que soient les consignes, le vrai problème, c'est que on n'a pas de masque, on n'a pas de test, et ça, c'est le vrai scandale.
Pour l'instant, je touche du bois dans l'EHPAD que je suis. Je crois qu'il n'y a pas de cas de Covid. Et puis, il y a aussi tous les contacts que j'ai avec les syndicalistes de la Poste pour essayer de voir comment ils peuvent continuer à travailler dans les secteurs indispensables, mais à être protégés. Comment eux-mêmes peuvent faire pression pour que la population soit protégée. Par exemple, alerter sur le fait que à partir du 4, 5, 6, les allocations familiales arrivent. Donc, les gens qui ont peu de moyens vont se précipiter quand ils ont une carte bancaire dans les distributeurs, quelles mesures de sécurité pour ne pas se contaminer en pianotant, du vinaigre, de l'alcool, se laver les mains avant, se laver les mains après, qu'il y ait des affiches et tout ça, et que quand il y a des personnels derrière les guichets, est-ce que tout le monde n'a pas de carte bancaire, même de la poste, eh bien, le personnel soit protégé. Voilà. Donc, je suis aussi un des signateurs de l'appel Covid-19, des mesures radicales, un choc de solidarité. Alors, signez cet appel, diffusez-le autour de vous, car s'il faut aussi se protéger, il faut aussi se révolter aujourd'hui pour exiger des masques, des tests, que les entreprises qui ne sont pas indispensables soient mises à l'arrêt. Et qui mieux que les salariés sait ce qui est indispensable ou pas. Et si vous êtes face au Covid-19 dans les services de santé ou dans des secteurs indispensables, la grande distribution, les Uber et tout ça, même si les Uber, c'est pas indispensable, arrêtez de commander des pizzas parce que c'est plus sympa. Laissez la grande distribution uniquement pour les choses vraiment importantes, vraiment indispensables. Donc, battez-vous, organisons-nous malgré le Covid-19 sur Internet ou partout pour poser le confinement au maximum dans les secteurs qui ne sont pas indispensables, pour être protégés dans les secteurs de soins. Parce qu'aujourd'hui, sous Covid-19, nous, on veut être comme on souhaiterait que la société soit demain, c'est-à-dire debout, solidaire, organisée autour des secteurs indispensables et pas d'abord au niveau des profits. Voilà quelques réactions entre deux patients en espérant que la santé sera une des priorités de demain. En attendant, protégez-vous. N'hésitez pas à contacter votre médecin traitant. Il n'y a pas que le Covid-19, il y a vos pathologies chroniques, il y a ce qui peut se passer autour de vous. On est là pour vous aider. En attendant, quand vous êtes à la maison, partagez les tâches ménagères, occupez-vous des enfants si vous êtes des mecs. Et puis, soyez aussi dans le cadre personnel, solidaire, compréhensif, amoureux, amicaux, confinés, certes, ou au travail, mais dans la vie de tous les jours et dans la vie sociale, motivés, on lâche rien, on les aura à la fin, c'est nous.